La mer gronde, le vent souffle, les kitesurfers s'en donnent à cœur joie, les pêcheurs aussi. Et un jour de grand vent, ici, tous les connaisseurs vous le diront, c'est jour de pêche au bar. Avant de lancer les lignes, aujourd'hui comme autrefois, il faut des appâts. Les verrotiers actionnent une pompe, traquant vivement le ver sous le sable. Au siècle dernier, pour le fouissage, les verrotières utilisaient un palot, petite pelle au fer étroit. Les vers qu'on récolte ainsi sont des arénicoles. Arénicole, donc aréna vient du, mot aréna. Aréna, lieu où il y a du sable. Et col vient du vieux français collard. Collard, C-O-L-A-R-E, qui va toujours voulu dire habiter, fréquenter. Un oiseau qui reste au nid après sa naissance, il est nidicole. Un oiseau qui quitte le nid à la naissance, il est nidifuge. L'atelier de Michel Masson, c'est un peu le paradis du pêcheur. On y trouve des fils et des hameçons, des cannes et des bouchons. Ce jour-là, un soir de septembre, la veille d'un jour de grand vent justement, il préparait ses lignes pour la pêche au bar, un poisson qui raffole des arénicoles. Et il vient attraper ce ver qui sort du sable pendant la marée. Pour le tromper, l'idée a été de mettre deux hameçons l'un derrière l'autre. Comme ça, le ver va rester, quoi qu'il se passe dans l'eau, il va rester bien droit, bien long. Le bar sera moins méfiant. Le bar étant le poisson le plus méfiant de la Manche. Indiscutablement, il est rare qu'il attaquerait un ver comme ça sans faire le tour et ausculter ce qu'il y a dans le coin. C'est pour ça qu'on a volontairement mis un bas de ligne assez long qui va venir à ce clou tournant qu'on appelle paternoster dans les mondes des pêcheurs. Ça va être jeté dans le sable, ça va s'enfoncer dans le sable. L'eau, le courant va entraîner le ver le plus loin possible de tout ça. Le bar peut repérer ça ou ça et ne pas mordre. Donc, volontairement, on met un bas de ligne d'un minimum d'un mètre. Même 1,50 m, ça serait mieux. Pourquoi deux hameçons ? Parce que quand le ver est enfilé, la tête, le ver en haut est bien accroché et va rester tout le temps, quoi que soit le courant, quoi qu'il il va rester, le principal c'est qu'il reste le plus droit possible pour tromper le poisson. On va vous faire voir comment on pose le ver. Là, c'est la petite. Alors, j'utilise une aiguille en inox. La subtilité, c'est d'enfiler le ver volontairement à 2 bons centimètres du haut. Voilà, le ver va, il faut essayer de passer l'aiguille dans tout le ver, hop, hop, hop. Essayez de passer hop. Là, la partie dit la queue, ça a peu d'importance, c'est très fragile. Je serre mon aiguille ici. Je prends mes deux hameçons. Je positionne sans trembler. L'hameçon est rentré dans le creux de la tige. Et là, tout doucement, allez, on y va. 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 L'hameçon du haut va permettre de prendre le ver une à deux fois. Enfin, surtout bien le prendre. Voilà. Le ver est donc fixé aux deux hameçons. L'hameçon qui doit attraper le poisson, logiquement, c'est celui-là. J'ai déjà eu le cas, deux, trois fois, qu'après avoir remonté le bar, c'était celui-là qui avait attrapé la gueule du bar. Mais l'hameçon, normalement, c'est le plus gros des hameçons que l'on met, ça veut dire le 4-0 que voici. Et l'autre est un tout petit peu plus petit. À la pêche, depuis quelques heures déjà, bravant la pluie et le vent, Michel et son ami Michel ont déjà pêché un bar. Un poisson qui vit en banc, aime les courants et les mers agitées, les zones rocheuses ou les grosses vagues. Le bar ne vient nous rendre visite sur nos côtes que quand il y a du grand vent. Ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. Le bar reste au large, très au large, quand le temps est calme. Temps calme, pêche au maquereau. Grand vent comme en ce moment, pêche au bar. Parce que quand il y a du gros temps comme ça, les crabes ne sont pas là. Parce que l'ennemi numéro un du ver, c'est le crabe.
quand vous remontez vos hameçons, ils sont bien propres, il n'y a plus de verre. Les crabes ont bien mangé. Je peux me hacker mon hameçon ? Regarde, j'ai les verres à côté. Hacker, okay. J'ai entendu le mot trépicard, qui veut dire garnir les hameçons. Ici, tout le monde, les marins, madame, la femme d'un marin du Hourdel, Lydia, pour dire son prénom, elle ne prononce que le mot hacker. Hacker veut dire mettre la pas à l'hameçon. En surf casting, on pêche 3-4 heures maximum en tout. 3 heures de descente, l'étale, qui est le meilleur, c'est là où on en... Et on fait irrégulièrement d'une demi-heure à une heure de remontée. C'est le maximum. On n'a pas le droit de sortir les barres en dessous de 42 cm. Le maître Michel m'a bien expliqué pourquoi 42 cm. Les scientifiques ont calculé que barre de 42 avait déjà reproduit 3 fois. À partir du moment où le barre a reproduit 3 fois, on peut le prélever à la pêche. Hier soir, cette nuit, on a pêché une dizaine qui faisait à peu près entre 30 et 32 cm. On les a rejetés à l'eau et avec un peu de chance parce qu'ils se sont bien accrochés. Donc on a pu bien les décrocher, ils n'ont pas été blessés, on les a renvoyés dans l'eau. Voilà, il faut voir que cette nuit, on a pêché 10 et on les a laissés. Et aujourd'hui, on en a un. Bon, bah, on va essayer de terminer à deux, mais sinon, bah, un bar de 50 cm, bah, 4 pour manger. Pour manger, ouais, pour manger autre. Un seul poisson pour ce jour de pêche. Mais qu'importe, le plaisir est bien souvent tout autant dans le jeu que dans l'attente.